Ah, deux, trois sites, Philo. On a un proverbe chez nous qui dit, tu triches une fois, tu triches une deuxième fois et tu triches à vie. Salut à tous, c'est Unwin et bienvenue dans une vidéo à thème. Donc aujourd'hui, la salle et Eden ne sont pas au courant, mais vous allez devoir deviner le prix des objets que je vous ai envoyés dans la conf. Donc il y a 10 objets à deviner. Ok? Ah, C'est une petite vidéo à thème ouais. tranquillement que j'avais fait il y a longtemps. Je me rappelle, j'avais fait un épisode il y a très très longtemps, il y a maintenant 2 ans, il me semble. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas en refaire un. Ça changera de d'habitude. Du coup, vous pouvez jouer dans les commentaires vous aussi. Et deviner le prix des objets. Si un ou deux ou tous les objets, donc il y a 10 objets en tout, vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et vous mettez les prix. Et on va voir si vous avez bon à la fin de la vidéo. Ok, donc à chaque fois que vous donnez un prix, bah, par exemple, si Eden est plus proche ou la salle est plus proche, bah, il gagnera le point. Ok, Ok, ça marche. ok. Alors, Vous donc on avez le commence. fichier d'ouvert, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, donc le premier objet, c'est le jean. Donc on a une Le barre. jean. Voilà. Ok. Je vous affiche Alors, à chaque donc fois à l'écran, vous inquiétez ça. pas, vous voulez ma boîte. Alors, Donc. le problème, c'est que. Enfin, c'est pas pour critiquer, mais tu nous affiches, pardon, un jean, mais tu nous montres pas la marque. Donc, le jean, il peut coûter entre 1 euro et Ah 1 bah c'est million d'euros, justement, quoi. justement. Bah c'est ça le Bah, truc. c'est Ah mais en comme si tu fait. disais, les gars, quel est le prix d'une voiture? Je vous dis pas c'est quoi, hein. Eh bah, Vous me donnez c'est le prix ça le d'une but, c'est de voiture. trouver le prix selon le design, en fait, selon comment tu le vois. Tu vois, Parce c'est. que moi, il y Parce a que si des je te dis trucs que la j'ai marque, reconnus. Non, mais tu vas vite il te y a des trucs. catégoriser. Je me suis un peu spoil, il y a des trucs où on reconnaît la marque, mais par contre, ça, le jean, je veux dire, le jean là, tu le trouves Bah, c'est à sur vous de la. deviner le prix, c'est ça le truc. Sinon, je donne la marque, sinon, ça sert à rien. Vous allez avoir une marge, tu vois. Par exemple, Mais si je te dis d'accord. Philippe-Plein, par exemple, tu vas me dire, ah bah, Philippe-Plein, c'est minimum 300 euros, par exemple. Eh ben oui, mais justement, t'es au courant que là, c'est comme si tu disais, les gars, devinez le prix d'une voiture. Bah oui, mais on te dit C'est quoi le comme juste prix voiture, la quelle salle marque? aujourd'hui. C'est le juste prix, faut Non, mais deviner. d'accord, mais si on te dit quelle marque, tu dis non, le prix d'une voiture. Je vous dis pas le Bah marque. Je vous ok, dis pas la marque. donc Je vous donnerai la marque après. la fourchette, elle est de 0 euros jusqu'à 8 Ah, millions, 20 franchement, millions. écoute, on va mettre des chiffres, puis voilà, et puis on verra. Mais moi, je vais dire le jean là, en sachant que j'ai déjà acheté des jeans de ce style, en tout cas de la texture là. Moi, je dirais, allez, 60 euros. Voilà. 60 C'est euros mon pour Eden. prix. Après, je connais Voilà. pas la marque, je sais pas, tu vois, mais. Bah moi je dirais 80. Eh bien, Eden qui a gagné, le jean coûte 40 euros et c'est un H&M. Voilà. D'accord, ok, ouais. Bah après, c'est besoin, ok. Bah, ouais. Voilà, D'accord. basique. Jean basique. Ensuite, le suite. Non, pas le suite. Attends, 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 non, pas le suite. La veste. Donc, je vous affiche la veste. La veste. Alors ça, c'est une veste Yves Saint Laurent, c'est ça? Non, c'est quoi? Ah non, c'est l'autre là. Comment il s'appelle? C'est une. Garliger Si là. vous connaissez la marque, vous me le dites. Moi, je vois, c'est quoi? C'est l'autre là. C'est la veste Egardiger, je sais plus quoi. Bah, bref. Alors, ça, à mon avis, ça doit coûter extrêmement cher parce que ce genre de truc, déjà, ça va être en Déjà, vous carbone pouvez au-dessus. analyser le produit déjà. C'est quoi comme type de veste, la texture, la matière. Genre Voilà. Eden, tu connais la matière. Bah là, je dirais que c'est du crocodile. Bah c'est du cuir, ça se voit quoi. Non, ouais, c'est du cuir, après il y a du faux cuir. Mais vu que je connais déjà le créateur, bah, c'est un styliste, je crois. Déjà, je dirais que ça coûte, franchement, je dirais 700 euros. Voilà. J'en abuse, mais. 500. Moi je dis 500. J'allais dire 500 de base, donc je reste sur Eh bien, les gars, 500. c'est une veste Fendi qui coûte 4000 euros. Donc c'est Eden, encore une fois, qui l'emporte. Ah, c'est une veste Fendi, ça? Donc D'accord, deux je points pensais pour que c'était le Eden cas. et un point pour. Donc C'est en un point fait, pour la c'est salle. bien ce que je dis, la salle. En fait, les gens ont tendance à acheter ce genre de vêtements qui est d'ailleurs dégueulasse, hein, parce que s'ils achètent le nom de la marque et non le truc. Enfin, tu vois, c'est. Ah, et puis Fendi, je pense pas que beaucoup de personnes connaissent. Hein. On passe ensuite, ensuite, les gars, au sac à main. Sac à main. Alors, sac à main, je vous donne un peu Oula, quelques ça c'est petites en peau de informations quand même. crocodile, ça. Ça doit être Sac à main en crocodile, bien sûr. peau de Et crocodile. minimum, alors je vous dis le prix minimum. C'est quand même dégueulasse d'en faire des sacs, quoi. C'est On vraiment chiffre à. On moche, chiffre hein. très haut là. Hein. On chiffre très très haut.
Je vous donne un indice, 6 chiffres. 6 chiffres, ça fait quoi? C'est une année, non? 2018, Six genre? chiffres, Quatre ben chiffres, ça. on va prendre. Ah. Moi, je dirais, ça coûte 170 000. Allez. 170 000. J'allais dire 100 000. Eh bien, non, c'est encore une fois Dan qui l'emporte. 396 966 euros. Mais C'est franchement, un achète une sac à Lamborghini main au lieu de télé. Hermès en crocodile, en fait. Donc avec la peau de Mais crocodile. va acheter une Lamborghini au lieu de vouloir un sac en peau de crocodile, quoi. Mais sérieux, mais les gens Je sont comprends pas fous. les gens qui achètent ça, mais bon. C'est pas grave. Pauvre bête, hein, Ensuite, franchement. En faire des sacs, on c'est passe. horrible. En plus, tu te promènes avec ça. Déjà, Mais premièrement, personne grave. ne va connaître le prix. Et Mais pire. deuxièmement, on a l'impression que le sac est sale. Ouais, de Ouais, c'est ouf. vrai. C'est horrible, hein. Donc 3-0 pour Eden. Et là, ça faut que tu te rattrapes. Réfléchis bien. Donc, le dentifrice maintenant. Donc voilà. Petit dentifrice pour se laver les dents. Alors, ça, je crois que j'en avais déjà entendu parler d'un. C'est. Ah, bah non, Alors c'est pas le ça. Non. prix, je vous donne un indice, c'est deux chiffres, voilà. Eh bah, 40 euros. Moi, je dirais que celui-là, ce machin, je dirais, vu comment il est posé, le petit tube, franchement, moi, je dis, allez, 15 euros. Hein. Eh bien, c'est la salle qui l'emporte! 90 euros le dentifrice. Et apparemment, t'as une haleine toute la journée, donc 40 euros. Ouais, ou sinon tu prends le dentifrice de base et tu te laves les dents Et tous donc, les jours. Ça... c'est vrai que J'ai pas compris. c'est choquant. T'as dit t'as une haleine toute la journée, 40 euros. J'ai pas compris. 90 euros, pardon. 90 euros. En gros, ça dure longtemps, quoi, tu vois. Genre, t'as une haleine fraîche toute la journée, quoi. Ah, ok. D'accord. 90 euros ce truc, Eh ok. bah franchement, Eh ouais. il est petit, c'est Ah, vraiment. mais moi, j'étais choqué, hein, des prix des trucs. D'ailleurs, si vous voulez un épisode 2, C'est vous me des le gens dites. qui s'en foutent en fait, je pense qu'ils savent pas quoi faire de leur argent, ils doivent acheter ça, mais c'est Ensuite, ouf. on C'est passe, les vraiment ouf, gars, non? au téléphone en or, comme vous voyez. Donc, c'est un iPhone 5 Ah, mais je l'avais vu celui-là, mais qui il c'est s'appelle faux, le Black Diamond. Donc, voilà, déjà, vous avez un gros indice. Et hein. Ouais, c'est du diamant, mais deuxième indice que je c'est vous faux, donne. mais... Alors attention Ouais. les gars, on est dans du haut de gamme là, on n'est pas sur du 6 chiffres, on est sur du 8 chiffres. 8 chiffres. Ouais. Ça fait 1 million et quelques, quoi. Mais tes 8 objets, ils chiffres. existent réellement? 8 chiffres, c'est minimum 10 millions, Eden. Celui-là, il n'existe pas, la salle. Hein. J'en avais vu, mais c'est pas vrai. Si, il C'est existe, du il fake. existe. Celui-là, c'est faux, hein, au cas où. Hein. Mais vraiment. Non, 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 il Il existe, y en a qui c'est... existent. Il y en a qui... Il y a des faux, mais il y a des vrais. Mais celui-là, c'est un vrai, vrai, de vrai. Mais C'est... attends, mais c'est bizarre quand Non, même. mais je te le C'est fais un vrai, avec mais il. Photoshop, Attends. hein. Bah oui, parce que c'est un vrai, mais il n'a pas de fond. Je veux dire, il n'est pas posé quelque part sur un vrai décor ou quoi. Tu sais, il n'y a rien. Alors, ça a été basé... Enfin, c'est un truc de Londres, en fait, apparemment. Donc, Stuart, je sais pas quoi. Et donc, c'est un businessman chinois qui l'a acheté. Et un autre indice, c'est un petit diamant en noir. Un petit diamant noir. Intégré dans le téléphone. Ouais, celui-là sur Au okay, milieu, bah là. Vous voyez le petit franchement, diamant noir, écoute, là? allez, va pour 8 millions. Non, c'est minimum... J'ai dit minimum 8 chiffres. Donc, c'est minimum 10 Ah, 8 millions. chiffres. Ça veut dire 10 millions? Eh ben, va Minimum pour 10 millions. 50 millions. Moi, je dirais 80 millions. Eh bien, c'est la salle qui l'emporte. 15 120 000 euros. Le téléphone. Et il a été vendu donc à un Chinois. 15 millions. Voilà. Il fait rien de plus à part qu'il a un diamant. C'est tout. Et de l'or, quoi. Ça en or. D'accord, ouais. Ok. D'accord. D'accord. Voilà. Ensuite, on passe aux C'est génial. chaussures. Tu le perds, t'es dégoûté, quoi. Aux chaussures. Ouais. Aux chaussures, alors attends, je regarde. Chaussures, chaussures, ouais. Alors, Alors est-ce ça, c'est que... Bah, du... je pense que là, vous reconnaissez la marque, hein. Ah ouais, c'est du Gucci, mais c'est horrible, hein. Vraiment, c'est dégueulasse, hein. C'est... Oh, franchement, hey, la vérité, c'est horrible. Comment ils ont fait pour Donc, avoir... chaussures Gucci, voilà, c'est des Une petites telle bottes, marque. tranquilles. À combien estimez-vous le prix? Attends, rassure-moi, c'est pour femme. Non, c'est pour homme. C'est pour homme et ouais, ça. Bah... Je voulais que tu me Non, dises mais... c'est pour homme, mais non. Mais tu Non, sais mais qu'il y a un c'est... gars qui met ça, franchement, je pète une barre, hein, je m'en fous que Arrêtez, ça les coûte. gars! Mais par Non, contre, mais sérieusement, tu ressembles à un clown si tu mets ça.
Ah bah, il y en a, ils Mais... achètent, hein. En tout cas, Je comprends pourquoi il n'y a pas de mannequin qui l'a le mis au pied, hein, prix, je parce vous donne que... une moyenne du prix, Non, mais c'est le 4 prix... chiffres. Catchy, oh là là, le vol. Ah. Eh, hey, tu sais, c'est qui le gagnant? C'est celui qui crée ce genre de truc, hein. C'est Bah lui le oui, gagnant. c'est Parce que Monsieur Gucci. celui qui l'achète, il est perdant, parce que lui, il ressemble à rien, quoi. Mais celui qui crée le truc, il est gagnant. Parce qu'il crée de la Ah merde, là. et il la vend super cher. Mais sérieusement, quel beau Alors, business. la salle, moi, pour te dire, j'ai déjà vu des claquettes Gucci, des claquettes, hein, avec des pots dessus. Dégueulasse, je te montrerai ça en vidéo, mais tu rigoles. Ça coûte, je crois que ça coûtait 800 euros. Donc, celle-là, elle est encore pire et horrible. Je dirais que ça coûte. Moi, je dis 4 000. C'est combien de base, Edwin? C'est 1000 balles, quoi, entre Minimum guillemets. 1 euro, ouais. Ok. Ça coûte 2000. Bien joué, donne 1590 euros, donc, ce petit Mais qui met ça? Mais sac. Donc, qui? c'est une fin, un score de 4 à 2 pour Edwin. Horrible! C'est horrible, 1590 sérieux? euros. Bah, franchement, moi, dès que j'étais sorti, je m'attendais quand même un peu plus de la part de Gucci, mais en fait, non. Donc, Mais 1590. c'était un peu plus de la part, mais t'imagines? Il l'aurait mis à je sais pas, mais c'est oh, franchement. Alors, on va maintenant aller dans le papier toilette que vous voyez. Papier toilette. Voilà, Donc, est-ce déjà. que vous voyez le papier toilette? Ah. Ouais. Vous voyez, c'est bon? On le Donc, voit, papier il de toilette est. avec des feuilles d'or. Ouais. Voilà, donc le prix est pas mal aussi, hein, je veux dire. Et c'est un prix à minimum 7 chiffres. Voilà, donc 1 million minimum. Voilà. Bah Après, attends, il est quand je dis vrai un million qu'on minimum, ça peut pas sait que être. ce soit une vraie. Pas. C'est pas C'est pas une vraie possible. photo, ça. Ah si, Mais si, si, bien si, c'est sûr, un c'est vrai. un papier toilette qui a J'avais été même vu pris. un. En fait, j'étais tombé. C'est pour ça que j'ai eu cette Alors. idée de refaire un Mais épisode. Parce que j'étais attends, tombé mais. sur un article du Figaro qui parlait de ce papier, en fait. Et du coup, Non, c'est mais des attends, feuilles non, mais d'or. faut Parce que le m'expliquer un même truc. Figaro, il y a des trucs faux. Là, je suis désolé. Là, on dirait un papier toilette pris chez Amar et qu'il a juste colorié sur Photoshop. C'est ça parce que On non seulement le reconnaît. papier toilette il ressemble à rien, on dirait qu'il est colorié, et en plus pourquoi mettre du papier toilette en or sur un truc aussi dégueulasse qui doit coûter 1 euro au supermarché? Ouais. Et attends, non mais regarde, et même si tu zoomes, perso, on dirait des papiers toilettes qu'on achète en truc. C'est faux, enfin, je C'est sais ça, pas. c'est du papier toilette colorié. Alors, Et devinez puis le prix. le rouleau en carton derrière, voilà quoi. Non mais c'est bizarre, hein, mais bon après, on verra le Ouais, faire. non, mais c'est colorié ça. Ça se voit, c'est dégueulasse. Ça doit coûter. En feuille d'or, ça doit coûter 2 millions, allez, minimum. Ben, c'est nul, hein, franchement. Pourquoi il y a combien de chiffres, soi-disant? Il y a 7, 7 chiffres. Mais 30. attendez, quand je vous dis 7 chiffres, les gars, ça peut être 1 million 2, comme ça peut être 8 millions. Hein. Donc après, c'est à vous Je dis de. 5 millions. Eh bien non, et donne encore une fois qu'il emporte, c'est 1 392 000 euros. Non, mais qui va acheter ça? C'est Eh oui, choquant. j'étais Je sais pas, choqué ça me moi aussi, hein, paraît. je vous le dis. Ça me... Le... La photo me paraît complètement fausse. Mais Ouais, c'est ouais, il vrai que peut c'est pas bizarre se la photo nettoyer de les fesses grossesse. comme tout le monde. C'est... Non, il veut du papier d'or pour se nettoyer. C'est quoi, ça te... Enfin bref, c'est bizarre. Ensuite, on passe au timbre. Alors, ouais. À Ah, part un alors collectionneur de celui-là, biens, timbre, alors je je vais vois pas vous pas. donner de, je vais pas vous Celui-là, je donner l'avais de déjà marge. vu. Je vais vous donner une marge, mais je vais pas vous donner il y a combien de chiffres, juste pour voir ce que vous allez dire. Non, Mais mais celui-là, je l'ai ça se déjà situe vu. entre 0 et 10 millions. Ouais, alors celui-là, je l'ai déjà vu, la salle. Et si je me trompe pas, il coûte. Alors, il doit coûter 9 millions et quelques, je crois. Mais je dirais Je ne 9 dis millions. rien. Je laisse Mais la je l'avais salle déjà vu et. celui-là, et c'est l'un des timbres les plus chers du monde. Hein. Eden, Parce il que a dit 9 millions. ouais, c'est un timbre en fait qui a été. Alors, pour l'histoire, je crois que c'est un timbre qui a été retrouvé, je sais plus quoi, et du Alors, coup. moi, je dirais 1 000 euros. T'es complètement malade, la salle. Ben non, parce que si Eden il a raison, c'est qu'il triche, hein, depuis tout à l'heure. Donc je dirais 1 000 Non, moi euros, je suis pas vas-y, tout dis-nous seul c'est sur quoi. là. Le prix est de 8 millions 7. Voilà, il triche, hop, il a dit 9 millions, c'est un tricheur. Non, là ça je te jure que même pas. Eden Non, c'est tricheur, parce un que point en moins. celui-là.
Alors, non, celui-là, je l'avais déjà vu. Je pense que c'est Allez, les un chaussures Gucci, il dit, il réfléchit pendant 150 ans, puis après il dit, je pense que, ouais, je dirais 1000, je dirais 2000 euros. Non, mais c'est bon, on le connaît, d'où? Je Il te sait. jure la salle, je te jure que je suis en train de sauter à la plage et que pas du tout. Par contre, il y a la police. Attends, Eden, il connaît même pas les trois couleurs primaires, et genre, il connaît les prix des trucs. Non, On est je te pas jure, je mal. l'avais déjà vu le timbre là. Donc, effectivement, c'était 8 millions 7 le prix du timbre. Et en fait, c'est un timbre. En gros, j'explique un peu l'histoire. Donc, ça vient de Guyane en fait, depuis 8 Attends, millions. Ouais. tous tes trucs là, tu les as récupérés sur un site. Non, en fait j'étais sur plusieurs trucs en fait. Et bah j'étais tombé sur le papier en toilette en fait du truc. Après j'ai cherché des objets rares qui coûtaient cher. Et c'est moi qui les ai choisis tout seul, hein, les produits. Tout seul. Il y en a que j'ai choisi quoi. Alors, ensuite Et un t'as autre. donné les prix à Eden. Non, du tout. J'ai un Et la bloc-notes salle en là. C'est pas patronne, vrai. la Non, là salle! j'ai un bloc-notes avec tous les trucs. Et non, les trucs. Par exemple, les produits Fendi, H&M et tout, j'ai été les chercher moi-même. Donc non. Ensuite, il nous reste deux objets, les gars. Deux Ouais, objets. dis-moi. Alors. Ouais. Donc, le Papier. suite, du coup. On ne l'a pas fait alors, le suite. Le suite, Allez, alors. donne, c'est le moment de faire semblant de ne pas Bah, ça, savoir c'est du combien il suite. coûte. Ça, c'est du. Clairement, c'est pas du Gucci. C'est un suite basique, je crois, de chez H&M. Et je dirais, allez, 40 euros. 40 euros la salle. 1 milliard. Non, mais abuse pas, abuse pas. Bah alors 1 million. Mais non, mais oh! C'est Mais un tu lui as suite, donné les yo! prix, c'est bon. C'est 1 un million. chiffre entre 0 et 100. Eh ben 1, bah 100. Eh bien non, c'est 25 euros. Eden Afflecto qui Eh le oui. remporte. Bravo Eden. C'était Merci un tweet beaucoup. de chez H&M, alors je sais pas comment il a fait pour trouver que c'était un H&M. Hein. Merci beaucoup. Bah écoutez, je suis content parce que voilà, je connais les marques. Ensuite, on se fait autre chose? Eh bien, il nous reste un dernier objet et c'est le crayon de papier. Le crayon de papier, ouais. Il est jamais allé à l'école de sa vie, mais il va connaître le prix exact. Vas-y. Alors, moi, ce Donc, crayon déjà, de vous pouvez voir le papier, crayon de papier qui est plutôt bien il est designé. vendu Hein. quoi? C'est le taille crayon qui est vendu, c'est pas le crayon papier. Crayon de papier, c'est le crayon de papier avec tout le pack en fait. C'est tout le pack. Ah, c'est tout le pack. Donc, le prix, c'est 5 chiffres. 5 chiffres, ça fait combien minimum? Bah, minimum 10 000 euros. Ok. Moi. Tu connais le prix exact, pas genre c'est Quoi? Je vais combien? pas faire genre, on va dire la vérité. Il coûte 14 000. Donc là, c'est à Non. toi. C'est entre combien et combien? Entre bah, 5 chiffres entre 0 et 50 000. Ah, bah, allez, 10 euros. Et non, 12 000 euros le crayon de Eh oui! papier. Bravo Eden, t'étais à 2000 Merci euros près. beaucoup. Merci beaucoup la salle. Eh oui. Bon, bah, Voilà. vidéo à thème raté, les gars, parce que vous avez essayé de me troll, ça a pas Mais fonctionné encore une n'importe quoi, fois. on a pas essayé de te troller, je te raconte. Et donc là, Eden le remporte avec du coup Même pas 8 un points troll, pour là, ça, Eden, 2 points pour la salle. Et puis trop. voilà, bah, j'espère dans les commentaires vous n'êtes pas trompés. Et non, ce n'est pas un troll la salle, on l'a vraiment. Dans les commentaires, vous n'êtes pas trompé, tu crois que vraiment ils vont connaître les prix des objets là? S'ils n'ont pas les réponses, elle est pas mal celle-là. C'est Déjà, possible, ils ont c'est possible. galéré comme moi et ils font que regarder des trucs nuls comme ça et ok, mais sinon, je En tout pense pas. cas, bien joué d'avoir participé. C'est tout pour cette vidéo. Et moi, Yuli. Bye!